Bonjour à tous, bienvenue et merci à vous Marie-Hélène Lafond d'avoir accepté cette invitation des Fractions. Et je suis ravie de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre et je suis d'autant plus ravie que je vous rencontre sur ce livre-là, Les Sources, dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Buchet-Chastel, une maison d'édition à laquelle vous êtes fidèle. Un livre qui, je crois, marque une étape. Un tournant ou peut-être la fin de quelque chose dans votre carrière d'écrivaine, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Que dire et que taire de ce livre ? Déjà dire le silence, même les enfants quand ils rentrent dans la maison, rentrent en silence. Ce livre est donc celui des non-dits, il est le livre de la peur, mais il est aussi celui de la libération grâce aux mots. L'acte d'écrire ce livre a peut-être même été en soi une libération. Il est l'histoire d'une femme à la vie foutue, après 8 ans de vie avec un mari violent. C'est une femme d'avant 1968, la peur au ventre tout le temps, mais qui tient son rang. Patronne d'une ferme, mariée, 2 beaux enfants et une maison à faire tourner. Alors se taire, supporter jusqu'au jour où l'on s'autorise à dire, ou plutôt où l'on nous autorise à dire, ou plutôt encore où d'autres vies nous autorisent à dire ce qui nous arrive. Alors ce livre est bien sûr, comme toujours chez vous, un livre des corps, sur les corps, des corps qui bougent, qui souffrent, qu'on ne désire plus, des corps qu'on lave, des corps saccagés, des corps qui pèsent. Ce livre parle aussi des hommes du monde d'avant le chamboulement de 1968. Cette révolution des femmes qui dérange. Enfin, ce livre est certainement aussi, je le disais, le livre qui boucle une longue affaire d'écriture. Alors, c'est un huis clos, une maison, une ferme isolée de la santoire. On a l'habitude chez vous de cette ferme et de cette santoire. Un texte court, mais une histoire qui s'étire sur 54 ans. 3 chapitres, 3 dates. Ça aussi, on a l'habitude des chapitres et des dates. Samedi 10 juin et dimanche 11 juin 1967 pour le premier chapitre qui raconte, par le regard de la mère, 48 heures de la vie d'une femme. 19 mai 1974 pour le deuxième chapitre qui raconte le père, seul, dans la maison. Et enfin, quelques années plus tard, pour le troisième chapitre, octobre 2021, une jeune fille, Claire, qui n'entre pas dans la maison. Elle n'est plus tout à fait une jeune fille, si je puis me permettre. Si je puis me permettre, on reviendra là-dessus. Mais je l'ai gardée jeune, je ne sais pas pourquoi on y reviendra là-dessus aussi. Elle n'entre pas dans la maison, qui est quand même le lieu essentiel. Elle reste dehors, la maison est vide, fermée, vendue. La première phrase du roman, Marianne Caroff, les premières phrases sont très importantes, paraît-il, et notamment chez vous. Vous avez choisi de montrer l'homme endormi. La phrase est « Il dort sur le banc ». Point. On entre donc dans votre livre par le silence. Pour quelle raison ? On entre comme on peut dans les livres. Moi aussi qui les écris. Je veux dire par là que j'ouvre le chantier comme je peux. Je ne commence pas à écrire un livre, j'ouvre un chantier. Et un chantier de travaux textuels. Un chantier de travaux dans la matière de la langue, dans la matière du verbe et dans la matière du monde. Et cette histoire de du huis clos d'une cellule familiale. Le mot cellule, me semble-t-il, prend toute son ampleur ici, toute sa force ici. Cette histoire fait partie de la matière du monde que
j'ai toujours déjà eu à raconter. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire en 1996, je savais qu'un jour ou l'autre, je devrais me confronter à cette matière-là, empoigner ça. Voilà. Et quand, pour toutes sortes de raisons et au terme d'un parcours un peu empêché, je me place en face de ça. C'était fin février 2022. En fait, je n'écris pas d'abord cette phrase. J'ai d'emblée, quand j'ouvre le chantier, le titre. Je sais que ça va s'intituler Les Sources. Je n'ouvre pas le chantier papier-crayon. Habituellement, c'est papier-crayon. Là, ce n'est pas papier-crayon. C'est directement sur l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur. C'est un tout autre rapport hein, au travail et à la langue. Donc, j'ai le titre, j'ai l'exergue, les 7 ou 8 lignes on va les lire après. De Giono. Je les lis. Allez-y. Oui, oui, voilà. Donc, j'inscris ça d'emblée. Hein. C'est dans Colline. Le sanglier solitaire hume vers les fermes. Il connaît l'heure de la sieste. Il trotte un grand détour sous les frondaisons, puis de la corne la plus rapprochée, il s'élance. Le voilà. Il se vautre sur l'eau, la boue est contre son ventre. La fraîcheur le traverse d'outre en outre, de son ventre à son échine, il mord la source. Jean Giono, Colline. J'inscris ça, ensuite j'inscris la date. D'emblée, samedi 10, dimanche 11 juin 1967, j'ai choisi 67, j'ai choisi le printemps, je sais pourquoi. Et ensuite, j'ai presque envie de vous dire que cette phrase-là est celle qui vient. Voilà, c'est « Il dort sur le banc ». C'est l'heure de la sieste, c'est Giono qui le dit. Même le sanglier le sait et il en profite pour venir boire à la source pendant que les chasseurs font la sieste, à l'heure écrasée de soleil. Voilà. Donc la phrase, elle vient, j'ai presque envie de vous dire, d'une manière organique. Elle coule de la source du texte de Giono. Voilà. Et ensuite, j'ai le père à l'horizontale sur le banc, la mère vissée en semi-verticale sur la chaise, et les enfants. Et les enfants dehors. Absolument. La mère sur sa chaise, oui. Qui n'ose pas bouger. Oui, oui. Parce que vaut mieux qu'il dorme. Et son regard, parce que ce livre est aussi celui des regards, oui. Sur l'extérieur, à regarder oui. Les enfants oui. Se balancer sur les balançoires. Oui. La vie est dehors. Oui. Le silence est à l'intérieur. À l'intérieur. Et les enfants savent qu'il ne faut pas réveiller le père qui dort. On sait qu'ils le savent, puisque le texte précise, j'ai du mal à dire je précise, le texte, hein, le déroulé organique du texte précise d'emblée que Claire, enfin la fille du milieu, on saura très vite qu'elle se prénomme Claire, a fermé les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. Il y a donc deux portes qui séparent la cour où les enfants jouent et cet homme et cette femme vissés dans cette cuisine. Et j'ai une vision, moi, très picturale de cette scène, vous voyez. Quand j'ai dit verticale pour la mère, horizontale pour le père, ça dessine un axe et vous avez des taches de couleurs qui sont mouvantes dans la cour. Et c'est une cour du mois de juin. Ce que c'est qu'une cour du mois de juin avec un érable, vous voyez. Le soleil, une puissance, un jus des choses, le vert, vous voyez. C'est ça la cour aussi. Les enfants sont de ce côté-là. On pourrait presque dire heureusement. Heureusement. Voilà. Et il y a un seul prénom. Ça, c'est très volontaire. Hein. On va apprendre le prénom des enfants dès la page suivante. Et pour l'instant, on n'a que le prénom des garçons. Les filles et Gilles.
Et Gilles qui balance ses jambes dehors, oui, sur le mur, et les filles, oui, se balancent. Il y a ce mouvement, oui, qui est intéressant aussi, oui, à l'extérieur, mmh, et on a l'impression d'une inertie à l'intérieur, mmh, de la maison. Les deux espaces extérieurs-intérieurs, la vie dehors, la peur, le silence, la violence à l'intérieur. Et, mmh, ça, c'est tout le long du livre, et ça, c'est, mmh, tout au long des années, puisqu'on apprendra finalement que personne autour d'eux n'est complètement dupe, même si on se tait, mmh, et ce qu'on évitera petit à petit de venir dans cette maison où on sait bien qu'il y a la violence. Alors c'est une époque finalement. Oui. Ce, mmh, livre est très court, comme je le disais, mais il raconte aussi une époque où l'on se tait, même si on sait des choses. On est, je le rappelle, avant 68, juste avant, un an avant, oui, 68. C'est important. Oui, alors 1967, j'ai choisi le printemps parce que cette femme est séparée de toute joie. Elle est séparée de la joie du printemps. Le printemps lui est cuisant. Elle s'est mariée le 30 décembre 1959 et a le sentiment aigu d'être entrée dans une sorte d'hiver qui ne finirait pas. Et le printemps lui est douloureux. Elle n'aime plus le printemps. Et elle est enquistée donc, dans cette vie-là. On est en effet en 67, ce qui va basculer dans l'histoire de France, mais dans l'histoire des rapports aussi à l'intérieur des familles, dans l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes, ce qui va basculer un an plus tard et dans les années qui vont suivre, n'a pas encore basculé. Et cet homme et cette femme, les deux, hein, sont, sans qu'ils le remettent d'ailleurs nullement en question, hein, sont tous les deux, ils ont 30 ans, et ils sont tous les deux très déterminés par le milieu d'où ils viennent, leur extras, je dirais, en prenant le mot de Pierre Michon. Et ils ont donc à leur disposition un regard sur le monde et des valeurs, hein, qui leur dictent leur conduite, et ils ne remettent pas ces valeurs en cause. Et vous venez de dire que, en effet, dans ces valeurs, il importe beaucoup de faire face, de tenir, de se tenir, de tenir son rang, et de ne pas dévoiler à la face des autres, y compris la famille, hein, ce qui se passe à l'intérieur du huis clos familial. Et il faut peut-être préciser une chose, comme dans nombre de mes livres, la géographie s'en mêle, si je puis dire, parce que l'enfermement de cet homme et de cette femme à l'intérieur de la cellule familiale et des enfants est verrouillé par le fait que la ferme est complètement isolée. Elle n'est pas dans un hameau, elle n'est pas dans un bourg, elle n'est pas dans un village. C'est une ferme seule, au milieu de 33 hectares. D'une part, et d'autre part, on comprend très vite que les deux familles, sa famille à elle, sa famille à lui, qui sont des familles paysannes, on est ancestralement paysans, hein, jusque dans ces années-là, les deux familles sont à l'autre bout du département. Il faut 1h30 de voiture pour aller retrouver les familles. Et on va avoir le téléphone, on est sur le point d'avoir le téléphone, mais on ne l'a pas encore, le téléphone. Donc, le lien, si vous voulez, l'épanchement éventuel par la parole, la confidence, sont coupés, n'existent pas. Voilà. Donc, ça renforce encore, hein, la situation, le huis clos, c'est un tour supplémentaire d'écrou, en quelque sorte. Voilà. C'est pour ça que je dis que la géographie s'en mêle. On reviendra sur cet isolement et sur la géographie. Mmh. Je voudrais qu'on reste un peu dans cette maison et à l'intérieur, mmh, de cette maison, puisque quand on est enfermé, comme vous le dites et comme vous le montrez bien, qu'on est une femme qui doit tenir son rang, mmh, tenir sa maison, on fait beaucoup de travaux domestiques, oui, même si on a des gens qui nous aident, même si on a une femme qui est là pour nous aider. On s'occupe du linge, on lave, on repasse, on range, on s'occupe de la table, on débarrasse, on passe un coup d'éponge, on balaye le lino. Mmh. Tenir la maison, s'affairer toute la journée, et ce, très tôt le matin. Mmh. Vous avez une façon de décrire tout ça et ces petits gestes du quotidien qui sont aussi des gestes, je crois, salvateurs pour cette femme. Bien sûr, bien sûr. Cette femme n'a jamais pensé vivre une autre vie que celle-là, c'est-à-dire être paysanne, être propriétaire d'une ferme, ça fait honneur. D'où cette notion très importante d'avoir à tenir son rang. Tenir son rang, ça veut dire tenir son ménage, récurer parfaitement ses enfants, afin qu'ils soient parfaitement présentables
par exemple, quand on les amène chez les grands-parents. Ce qui est le cas le lendemain. On va partir le lendemain. On est sur le point le lendemain. On ne va chez les grands-parents qu'une fois par mois. Hein. On a des vaches à traire le matin et le soir. Et le lait à transformer en fromage. Donc on ne part pas comme ça, de manière impromptue, parce qu'on en a envie. Hein. C'est très... tout est ritualisé, voilà. Hein. Le lien avec la famille est ritualisé. Un dimanche sur quatre chez ses parents à elle, un dimanche sur quatre chez ses parents à lui. Voilà. Et en effet, le quotidien de cette femme, encore une fois, elle n'en avait pas rêvé d'autre, hein, est tissé de tâches domestiques que sa mère lui a d'ailleurs enseigné à accomplir. Hein. Elle est, par exemple, une cuisinière accomplie, sa mère étant une maîtresse cuisinière, par exemple. Hein. Elle a, en effet, une jeune fille pour l'aider, puisqu'elle a eu trois enfants très rapprochés. Hein. Alors, évidemment, méthode Ogino, hein, avec ses effets secondaires, que l'on connaît, hein, et ses débordements, et ses dérapages de la méthode Ogino, hein, d'où les trois enfants nés par césarienne. Hein. Et cet état du corps... Cet état civil de la famille, en quelque sorte, hein, et les tâches domestiques que cette femme doit accomplir sont évidemment étroitement liées. Hein. Et les tâches domestiques lui servent, d'une certaine manière, faire les gestes des tâches domestiques lui servent à échapper à ce vertige qui est le sien, hein, puisque dans ce tableau familial, hein, qu'elle avait prévu, en quelque sorte, dans ce tableau social aussi qu'elle avait prévu, quelque chose est intervenu dès le début du mariage qui, évidemment, rend cette vie-là intenable, je pèse mon mot, mais il faut tenir. C'est intenable, mais il faut tenir. Elle tient. Et elle tient notamment avec, vous avez raison, les travaux domestique. Ah, pas que ça. Pas que ça. Avec ça, mais il y a d'autres moments comme ça, d'autres espaces de liberté, notamment la voiture. Ça, c'est quelque chose qui lui fait un bien fou, alors qui déjà l'installe dans le rang, on revient sur le rang, mais oui. En plus, c'est cet espace incroyable de liberté, prendre la voiture. Oui, alors, elle prend la voiture pour aller à la messe ou faire les courses. Hein. Elle ne prend pas la voiture pour aller... se promener. Se promener, bien entendu. Mais elle a le permis de conduire. Alors, ça peut paraître étrange, hein, de donner cette précision, mais en 1967, une femme, épouse de paysan, dans une ferme à 1000 mètres d'altitude dans le Cantal, ça n'a pas le permis de conduire. Et elle est là, parce que sa mère, qui est une femme, encore une fois, une maîtresse femme, sa mère a insisté pour qu'elle le passe. Et elle bénit sa mère, rétrospectivement, d'avoir insisté. Elle a le permis, donc vous avez raison, ça lui permet d'avoir... de faire des escapades, encore une fois, dans un registre très limité et très normé. Mais en même temps, elle dit d'ailleurs, hein, qu'elle commence à créer du lien avec l'épicière, avec la femme qui tient l'harmonium à la messe, avec l'institutrice, par exemple. Hein. Il faut préciser aussi, encore une fois, la géographie, pardon, j'ai oublié de le dire, hein, que cet homme et cette femme n'habitent cette ferme que depuis 4 ans. Et ils viennent du sud du département. Donc, ils sont des étrangers. Hein, ça, je n'apprends rien à personne. Hein. Faire son trou, je crois qu'il faut employer le terme, hein, de façon très, très précise, c'est extrêmement long, extrêmement difficile. Et d'ailleurs, lui est très conscient du fait que quand elle va à la messe avec les trois enfants impeccables, bien sages, rangés dans la voiture et ensuite rangés à côté d'elle, elle contribue à faire leur trou. Parce qu'il faut se montrer, voyez, pour s'inscrire dans cette norme, hein, c'est extrêmement subtil. Voilà. De la même façon que être dans une ferme qui appartient en grande partie au Crédit Agricole, hein, parce qu'ils ont emprunté et ils remboursent, mais être dans une ferme dans laquelle on peut avoir deux ouvriers agricoles et une jeune fille pour aider la patronne, ça vous situe, hein, à un certain niveau qu'il s'agit de tenir et qui lui procure une satisfaction narcissique à elle. Hein. Elle a de l'orgueil. Elle tient aussi par l'orgueil. Alors, l'orgueil, mais tout le monde a de l'orgueil. Parce que si cette histoire existe comme ça, c'est que de tous les côtés, la mère, sa mère, elle est orgueilleuse, elle a de l'orgueil, lui a de l'orgueil. Mmh. Parce que s'il est là et s'il est rentré, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est allé au Maroc, pas en Algérie, mais au Maroc, et s'il est rentré, c'est aussi parce qu'il avait... de l'orgueil, s'il est revenu s'occuper de la ferme de vin, parce que effectivement, il y a le déterminisme, mais pas seulement. Pas seulement. Oui, il y a des... Enfin, disons que il y a un atavisme organique
je dirais, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que ils sont nés en 1937, les deux. Ils ont 30 ans. Donc lui appartient pleinement à la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Sauf que, pour une raison qui n'est absolument pas précisée, et que lui-même, lorsqu'on sera dans la deuxième partie du livre et qu'on aura accès cette fois-ci à son flux de conscience à lui, que lui-même ne déploiera pas, il n'est pas allé en Algérie, il est allé au Maroc, 27 mois, jardinier du colonel à Casablanca. Autant dire le rêve. Voilà. Une autre vie. Une autre vie. Il a appris à nager, il allait à la plage. Hein. Et une autre femme. Une autre femme. Et il est rentré. Et il est rentré, vous avez raison, pour toutes sortes de raisons qui le dépassent un peu probablement, mais aussi parce qu'il a compris que s'il restait dans l'armée, il ne serait jamais son propre chef. Il aurait toujours quelqu'un au-dessus de lui. Tandis que s'il revenait par amour de la vache, hein, il a la vache dans le sang, passion du métier d'éleveur, et aussi par amour du pays, il est évident qu'il a un lien très fort avec ce pays. Il a compris que s'il revenait, non pas pour travailler dans la ferme de ses parents, hein, parce qu'il ne peut pas s'entendre avec son père suffisamment bien pour travailler avec lui, hein, mais que s'il revenait et qu'il réussissait à acheter sa propre ferme, il serait maître chez lui. Voilà. Et c'est lui qui serait dans le cadre, hein, de leur propre ferme, puisque cette femme qu'il épouse au retour du service militaire, il la connaît déjà avant de partir, celle qui va devenir la mère de ses enfants. Hein. Il sait qu'il sera maître à bord. Il le croit. Il le croit sans doute en 67 encore. On comprendra quelques années plus tard qu'il commence à flairer que ça ne va pas être facile. Mmh. Alors justement, je vous propose, Marie-Hélène Lafond, de lire un extrait de votre livre qui va montrer la place de la femme et la place de l'homme, justement, au sein de cette famille et les droits, finalement, qu'on confère aux hommes avant que tout bouge dans les années 70. Donc, on est le samedi après-midi, hein. Elle traverse la cour. Elle rentre dans la cuisine qui lui paraît sombre et fraîche. Elle n'aime plus le mois de juin. La vaisselle de midi est sèche. Elle la range avec des gestes lourds. Elle est lourde. Sa viande est lourde. Elle redonne un coup d'éponge à la table avant de se mettre à repasser. Il faudrait aussi balayer le lino, mais elle n'a plus le temps. Elle a trop traîné au jardin, elle est toujours débordée. Claire et Gilles sont sur les balançoires. Ils jouent à se renverser le plus loin possible en arrière, les jambes et le buste tendus, les fesses posées en équilibre sur la planchette étroite, leurs poings serrés sur les cordes. Ils ferment les yeux, leurs visages se plissent dans l'effort. Isabelle leur parle d'en haut, de l'arbre. C'est la tante Jeanne, sa tante à lui, de son côté, la sœur de son père, qui a offert le portique pour les enfants. Elle n'est pas mariée, elle habite Meudon, à côté de Paris, et elle est professeure de mathématiques dans une école religieuse. Elle aime bien la tante Jeanne. C'est la seule personne de sa belle famille avec qui elle se sent à l'aise. Mais on ne la voit presque jamais, sauf une ou deux fois l'été, pendant les vacances, quand elle est à Soulages chez son frère. Depuis qu'Isabelle est entrée à l'école, la tante Jeanne envoie des livres pour les enfants. Elle a dit qu'elle le ferait à Noël et pour les anniversaires. Au début, les deux premières années, elle était venue passer quelques jours, en été, entre le foin et le regain, avant le 15 août. Il s'était retenu tant que sa tante était là. Elle ne sait pas exactement pourquoi la tante Jeanne ne vient plus, mais elle le devine. La tante a dû sentir que ça n'allait pas dans cette maison. C'est une femme qui connaît la vie. Elle a peut-être même essayé de parler à son neveu, qu'elle appelle encore Pierrot, comme quand il était petit. Mais elle s'est découragée.
les gens se découragent. C'est normal, chacun a ses problèmes et s'occupe de ses affaires comme il peut. C'est le bout du monde ici, la famille est trop loin. Personne ne vient chez eux, sauf le facteur, le marchand de bestiaux ou le vétérinaire, et ils ne vont chez personne. Ils sont nouveaux dans le pays, 4 ans, ça ne compte pas. On les appelle les Oriaquois, elle le sait, c'est Annie qui le lui a dit. De notre côté, elle préfère vivre seule dans son trou. C'est difficile de toujours faire semblant. Demain, chez ses parents, elle fera semblant. On restera longtemps à table, elle se reposera, on parlera des jardins, des gens, des voisins. Sa mère raconte bien, elle imite les uns et les autres, avec leurs manies, leur façon de faire, leurs accents. Tout le monde rit, même lui. Elle sentira le regard de son père posé sur elle, mais son père est un doux, il ne peut rien pour elle. Elle a fait sa vie comme ça. Elle va avoir 30 ans et sa vie est un saccage. Elle le sait, elle est coincée, vissée, avec les 3 enfants. Il est le père des 3 enfants. Il les regarde à peine, mais il est leur père, il est son mari et il a des droits. Merci Marie-Hélène Lafont. Je voulais absolument vous entendre lire cet extrait, car il dit tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, la fameuse solitude. Cet extrait montre la solitude dans laquelle cette femme est, isolée certes géographiquement, c'est écrit, isolée des autres, parce que c'est ainsi, chacun a ses propres affaires à gérer, on regarde chacun pas plus loin que sa propre maison, que son propre espace, la place de l'homme et la place de la femme. Mais il y a autre chose. Il y a un autre homme dans cet extrait-là. Il y a le père de cette femme. Oui. Alors, il y a 2 autres hommes. Il y a le père de cette femme et il y a son fils. Oui. Tous les autres hommes, les autres hommes de cette histoire sont doux, tendres, à l'inverse du mari. Du mari. Oui, oui, ça m'avait en partie échappé, mais c'est ça que j'aime bien dans les lectures qui ne sont pas les miennes. Mais vous avez bien sûr tout à fait raison. Mais les doux sont impuissants. Le père de cette femme a d'abord été un père absent, parce que prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née en 37. Quand elle a 2 ans, il part prisonnier. Et pendant toutes les années où il est prisonnier, eh bien, elle est dans une sorte de fusion avec sa mère. Elle dort dans le lit de sa mère. Elle dort dans le parfum, l'odeur des cheveux dénoués de sa mère dans le lit. Et quand l'homme revient, il faut lui rendre sa place, qu'il ne reprendra jamais tout à fait, parce qu'on le comprend, dans cette famille-là, la famille de cette femme, c'est la mère qui, selon l'expression consacrée, porte la culotte. Hein. Et ce père est un doux qui a l'œil, qui voit les choses. Il y a une scène avant le mariage, quelques mois avant le mariage, où il dit à sa fille, ils sont seuls, il dit à sa fille, j'aime pas ton fiancé, j'aime pas comment il te regarde. Hein. Mais il n'empêche rien, il n'empêchera rien. Voilà, hein. Quant à l'enfant... Mais parce qu'elle ne l'aurait pas empêché, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Elle ne se comprend pas, et elle ne sait pas, elle ne comprend pas comment elle a pu se mettre dans cette situation-là. Voilà. Et cette situation lui paraît, encore une fois, verrouillée. Quant au fils, alors évidemment, ça n'est pas du tout un hasard, hein, si c'est le prénom du fils qui apparaît le premier, hein. On aura, je l'ai dit tout à l'heure, le prénom des 2 sœurs dès la page suivante, mais c'est d'abord le fils. Le fils, c'est l'enjeu fondamental. Et ça encore, c'est très sociologique. Hein. On est dans une famille de paysans. On est donc à la fin des années 60. Très vite, le père, qui est un chef d'entreprise, il a compris qu'un paysan devenait un chef d'entreprise dans ces années-là. Hein. Le père, très vite, comprend aussi
que ses enfants ne vivront pas comme lui et les générations qui l'ont précédé ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus paysans, surtout les filles. Voilà. Donc ça, hein, c'est, ça traverse des générations, hein. Les filles sont parties. Hein. Et celles-là, les siennes, elles vont partir par l'école. Et si ça continue, si transmission il y a, c'est par le fils. C'est sur les fils que ça repose. Voilà. Or, le fils est vu par le père comme une sorte de prolongement du corps de la mère et participe de toutes les tares de la mère. Voilà. Le fils est du côté des doux. Le fils est l'enjeu du texte. La filiation, impossible. La transmission, impossible. Comment on continue ? C'est une question qui est tendue dans tous mes livres, comme un arc, hein, derrière le, dans la chair du texte. Et elle est, l'arc est tendu dans celui-là aussi. Et ce fils-là n'est pas le bon fils. La transmission, effectivement, ça c'est important. Mais là encore, ce livre, sans vouloir trop dévoiler, déjà qu'on en dit beaucoup, mais vos livres, on peut en dire beaucoup, ça ne gâche pas la lecture, si je peux me permettre, Marie-Hélène Lafont, parce que votre langue est d'une beauté, votre langue, c'est une langue comme un peintre aussi, on y reviendra, j'aimerais qu'on parle de la langue tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reste encore sur cette femme et puis qu'on parle un peu plus précisément de l'homme aussi après, parce que vous lui consacrez, ce qui m'a surprise au départ, j'avoue que quand on est arrivé, quand j'arrive au deuxième chapitre et que je vois qu'on... que la focale est tournée sur cet homme qui lui aussi, et on est dans sa tête, qui lui pense aussi, ça m'a surprise. Et après, j'ai totalement compris ce que vous vouliez faire avec ça, parce que c'est un livre qui ne porte aucun jugement aussi sur qui que ce soit et qui nous fait approcher la pensée de tout le monde et non pas excuser, parce que ça n'est pas le propos ici, mais nous donner toutes les données finalement. En tout cas, essayer de s'approcher au plus près. Oui. Voilà, de l'embrouillamini, hein, de l'écheveau indémêlable, hein, qu'est le lien entre cet homme et cette femme, puisqu'ils sont liés. Hein, et il me semble que c'est la place de la littérature de s'approcher de ce qui est indémêlable. Hein, et de ne. En tout cas, de tenter de le donner à voir, entendre, à flairer, à palper de la façon la plus juste possible, sans surplomb, sans jugement, sans condamnation ni absolution, et bien entendu, avec une matière pareille, sans pathos, vous voyez, sans voyeurisme non plus, et sans ce que j'appelle la pitié dangereuse. Voilà. Donc, c'est une corde raide sur laquelle on ne peut se tenir que par le travail de la langue. Et je dois préciser simplement, de surcroît, il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne sais pas si j'aurais eu moi-même l'idée de donner à entendre le flux de conscience du père. C'est mon éditrice qui, lorsque je lui ai remis la première partie, les 80 premières pages, samedi 10, dimanche 11 juin, hein, les ruminations de cette femme, lorsque je lui ai remis ce texte dont je ne savais pas bien quoi faire, hein, et qui me brûlait les doigts, c'est elle qui m'a dit il faut faire entendre la voix du père. Voilà. Et je l'aurais peut-être trouvé moi-même, j'aurais peut-être fini par le trouver moi-même, mais je n'en suis pas certaine et je ne le saurais jamais puisque c'est elle qui me l'a dit. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est la dédicataire du roman. Hein, parce que cette place-là, place que je ne lui avais jamais laissée, ni à elle, ni à personne d'autre d'ailleurs, hein, dans mon travail d'écriture, cette place-là, elle l'a occupée. L'aiguillage, c'est elle qui l'a donnée. Donc, la voix du père. Parlons des corps, parce que les corps, c'est aussi présent depuis longtemps dans vos livres. Il y a d'abord son corps à elle qui a changé. Oui. Vous écrivez ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste. Saccagé. Son premier corps, le vrai, celui d'avant est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « tu ressembles plus à rien ». Il dit « tu pues, ça pue ». Et il s'enfonce. J'ai hésité avant de lire, mais ça, c'est à mon avis une importance terrible. Mmh.
C'est ce que j'appelle la corde raide. J'ai dit tout à l'heure, hein. La corde raide de la langue, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, là, quand je... Derrière, il s'enfonce jusqu'où ne pas aller trop loin, à cet endroit-là. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de pitié dangereuse, de pathos ou de voyeurisme. Donc, j'ai essayé de me tenir à la juste place. Voilà. Y a dans le texte, hein, quelques moments comme celui-là que vous venez d'exhumer, dans la matière du texte, dans son flux, il y a quelques moments comme ça où les choses sont dites parce qu'il faut bien qu'elles le soient. Je ne resterai pas en deçà, mais je n'irai pas non plus au-delà. Voilà. Où est ma place ? Je la cherche à chaque phrase, si vous voulez, hein, dans le flux du texte. Je peux donner peut-être aussi une précision qui, je pense, est très parlante pour qu'on entende bien la tension du texte. C'est que je l'ai écrit en 8 jours, la première partie. Hein. Après, j'ai retravaillé énormément, hein, mais c'est un rythme d'écriture que je n'avais absolument jamais eu. Et la deuxième en 5 jours. Hein. Bon. Eh bien, la première partie, quand je la commence, il dort sur le banc. Hein. Je ne sais pas si cette femme vissée va s'arracher, dévisser, se dévisser. Je ne sais pas comment. Vous savez ce que ça veut dire, dévisser, quand on dévisse, hein ? Elle pourrait dévisser aussi, hein ? La situation pourrait dévisser. C'est-à-dire, ça pourrait mal se finir, on sait comment ça s'appelle. Hein ? Voilà. Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai presque envie de vous dire que jusqu'en 8 jours, donc jusqu'au 6e ou 7e jour, je ne sais pas si c'est ce que cette femme va faire. Et je crois que le fait que je ne le sache pas donne, imprime forcément une tension particulière à chaque phrase, vous voyez, hein, et à la coulée du texte. Le livre est tendu, et le livre est tendu jusqu'... Je vais peut-être donner une image qui ne vous plaira pas, mais jusqu'au slip de l'homme. Son slip kangourou. Tend pour éviter de le mouiller quand on lui lave le dos. Ah oui. Et... Je veux qu'on parle des enfants, parce que ce sont aussi les enfants qui, là aussi, savent tout, ont peur, mais ne diront jamais rien, ne dévisseront non plus jamais, et vivront presque, pas en rasant les murs, mais en subissant les choses sans ne rien faire. Oui, les enfants ont 7, 5 et 4 ans. C'est dit d'emblée, hein, dès la deuxième page. Donc l'aînée, celle qui est dans l'arbre, qui passe beaucoup de temps dans l'arbre, dans l'érable, l'aînée va à l'école. Et elle apprend bien. Elle fait ses devoirs seule sur la table de la cuisine, on n'a pas besoin de surveiller. Ça tombe bien. La deuxième va entrer à l'école. Et encore une fois, le plus vulnérable, celui qui est encore le plus vissé au corps de sa mère, c'est le petit garçon. Voilà. Mais il est évident, vous avez raison de le souligner, que les trois enfants sont un enjeu majeur du texte. Parce qu'on le sait dès la deuxième ligne, et on va le voir, par exemple, à la faveur de la scène de la toilette du samedi soir, par exemple, hein, quand cette mère fait la toilette de ses enfants. Il y a une scène, hein, où je fais comprendre exclusivement avec le corps, à coup de corps, parce qu'il n'y a que comme ça que ça avance, hein, où je fais comprendre que enfin, sentir vraiment la façon la plus intime possible que ces enfants vivent dans la peur. Ils ont peur tout le temps. Voilà. Et la mère le sait. Elle le sait, elle le sent, et donc elle sent qu'il faut qu'elle sauve les enfants. J'ai presque envie de dire qu'elle n'est même plus, elle, suffisamment constituée à ses propres yeux pour se sauver elle-même. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de les sauver, eux. Les sauver, ça veut dire s'arracher. Et s'arracher, c'est l'impossible trou noir... Parce que ça veut dire divorcer. Et divorcer, ça veut dire vendre la ferme. Ça veut dire ne plus tenir son rang. Voilà. Donc, elle remue, hein, toute cette matière, hein, cette matière traverse sa conscience, traverse son corps, secoue son corps, parasite même ses gestes, hein, ses gestes du travail, hein, qui lui permettre de tenir et qu'elle doit de toute façon accomplir, bien sûr. Elle a un devoir. Voilà. Donc, les enfants
occupe bien sûr une place centrale. Mmh. On va avancer vite sans trop mais comme l'homme est seul après dans le deuxième chapitre, c'est qu'elle s'autorisera à prendre cette décision. Et ce, grâce encore aux enfants, parce qu'elle apprendra que dans une autre famille, les enfants d'une femme divorcée ont pu, ont réussi. Et là, elle se dit finalement, tout n'est pas perdu pour mes enfants. Et c'est là qu'elle s'autorise. Oui. Ben, j'ai presque envie de vous dire, vous voyez, tout est une question d'article. Les enfants d'une femme divorcée, venez-vous de dire, on va dire... les enfants de la femme divorcée, parce qu'il n'y en a qu'une. Hein, dans cette société en 1967, il n'y en a qu'une. Hein. Voilà, c'est la Marissou, d'ailleurs on l'appelle comme ça. Hein. Elle est la seule qui est gratifiée de l'article, vous voyez, devant le prénom, ça donne une idée. Hein. Et cette Marissou est mise au banc parce qu'elle est divorcée. Voilà, hein. Et ses enfants aussi sont mis au banc. Et en effet, vous avez tout à fait raison de souligner qu'à la faveur de la conversation de sa mère, elle comprend que ces petits garçons-là qui se battaient dans la cour de l'école, hein, parce qu'on les mettait plus bactères parce qu'ils étaient enfants de divorcés, et les seuls, hein, voilà, sont en train de faire leur vie, hein, et se sont extraits de l'infamie. Et d'un seul coup, en effet, peut-être qu'une perspective s'ouvre, hein, pour, bien entendu, le fils, voilà, hein, Gilles. Voilà. Et probablement que c'est un des... Une des forces qui fait qu'elle va trouver la force. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une force presque au sens physique du terme, vous voyez. Voilà. Mais rien n'est expliqué. C'est simplement dit. Voilà. Hein, on comprend que dans les nouvelles du village que lui donne sa mère, ce fameux dimanche, il y a ça. Voilà. Vous faites un bond dans le temps. 7 ans. 7 ans. On le retrouve, lui, seul dans sa maison. Pas de femme dans cette maison. Il fait son affaire ailleurs que dans la maison. Il le faisait déjà avant. Mais il ressasse la nuit. Il ressasse, finalement. Il ressasse notamment sur sa femme qui a peur de lui, sur son enfant qui a toujours peur de lui. Il ressasse parce que, tout de même, il s'inquiète. Et il s'occupe des études des enfants en pensant à leur avenir. Oui, et il ressasse sur l'époque. Oui, les filles, effectivement. Les filles. Et il ressasse sur l'époque, parce que 1974, 1968 est passé par là. Il sent bien que les choses changent, la révolution. Les femmes veulent prendre la place des hommes, pense-t-il. Il voit les images de la télé, il écoute la radio, il lit le journal aussi. Il s'intéresse, le monde est chamboulé et ça le dérange. Même dans sa ferme et dans sa vallée au bord de la Santoire, au milieu de rien, il est atteint, il est touché. On voudrait le commander. Et c'est là... Où c'est bien embêtant pour cet homme, c'est finalement c'est sa place, la place d'homme qui est remise en question. Ce qu'il a voulu dès le départ et ce qui lui a fait finalement choisir cette vie. Embrasser cette vie-là, en tout cas, oui. Alors qu'encore une fois, il aurait pu bifurquer, au fond. Hein. Et j'y faisais allusion tout à l'heure, cette indépendance, vous voyez, cette sorte de monarchie, de mâle droit qu'il pensait... pouvoir et devoir exercer toute sa vie, il sent vraiment que mai 68, ce qu'il appelle la révolution des femmes, hein, remet cette affaire-là en question. Hein. D'autant plus qu'il a quand même affaire régulièrement à son ex-belle-mère, enfin, à la mère de sa femme, dont il reconnaît que c'est une maîtresse-femme, et à ses belles-sœurs, et elles ont des manières, elles ont des façons de faire qui lui paraissent tout à fait contestables. Hein. Elles échappent, voilà. Hein. Et au fond, il ne ferait peut-être une exception, c'est sa façon à lui d'être père, que pour ses filles. Ses filles aussi vont échapper. Elles vont étudier. Mais il entend considérer ça du point de vue de l'honneur. Elles vont faire honneur. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, le monde dans lequel ses filles entrent, déjà, lui est indéchiffrable, il le sait. Hein. Il regrette d'avoir pas été plus assidu à l'école, d'abord parce que ça aurait fait plaisir à la tante Jeanne, hein, et deuxièmement, parce que l'instruction qu'il n'a pas lui manque pour être le chef d'entreprise qu'il est contraint d'être s'il veut accomplir son devenir de paysan, et il aime son métier de paysan. Hein. Et enfin, le devenir scolaire de ses filles lui est indéchiffrable. Il a besoin d'écrire sur le calendrier du Crédit Agricole en quelle année d'école sont ses filles. 3e, 4e, 6e, parce que lui n'a pas fait ce cursus et il n'y comprend rien. Donc il essaie de se repérer, vous voyez. Hein. Mais en même temps, on sent une fierté, voilà. Hein. Mais le monde lui devient en partie indéchiffrable.
Il faut dire hein, que les hommes de cette génération ont tiré le gros lot. Hein. Hein, parce que non seulement ils sont partis faire la guerre d'Algérie, mais pour ceux d'entre eux qui étaient issus de cette société très, on va dire, patriarcale, hein, dans laquelle éventuellement souvent la position de l'homme était inscrite hein, sur l'étape de la loi, eh bien, en effet, mai 68 d'une part, d'autre part, et surtout la politique agricole commune, Giscard d'Estaing, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Giscard d'Estaing? On n'y pense jamais quand on pense à lui, parce que bon, il est très connoté quand même, vous voyez, du côté, voilà, hein, diamant et compagnie, mais enfin, divorce par consentement mutuel, hein, majorité à 14, à 18 ans, pardon, je dis toujours à 14 à 18, hein, et surtout, surtout, l'action de Simone Veil. Ça s'inscrit dans le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et tout ça va venir sacrément secouer les rapports entre les hommes et les femmes, même dans les fermes du fin fond du Cantal, hein. Voilà. Donc, il voit bien que tout ça arrive, hein, et que le monde avance, hein, et que quelque chose, le monde avance son étrave jusque sur son île, hein, parce que la ferme est une île, l'Auvergne est une île, c'est Alexandre Vialat qui l'a dit, c'est pas moi, hein, voilà. Hein. Donc, il faut faire face à tout ça, étant bien entendu qu'il n'est pas très bien armé pour faire face à tout ça, puisque on comprend, par exemple, hein, que son regard sur celle qui reste pour toujours, la mère de ses enfants, n'a pas bougé d'un iota. Hein? Il est resté là, il campe sur sa position. Marie-Hélène oui. Lafont, je voudrais oui. qu'on parle oui. des sources. Alors, oui. sources plutôt que racines, mm-hmm. C'est clair à la fin qui quand même, c'est clair au début du livre qui ferme la porte pour aller dans la cour pour ne pas faire de bruit, oui. et c'est clair qui, à la fin, vient dans la cour pour oui. voir la maison fermée. Oui, c'est la sœur du milieu. Plutôt que la racine. Oui. Alors, les sources, ça c'est le titre du livre. Excusez-moi, mais du coup, j'ai forcément pensé aux sources de l'écriture, à vos sources à vous, à ce qui vous fait écrire depuis longtemps, à la maison autour de laquelle vous tournez, à cette histoire autour de laquelle vous tournez aussi. Vous avez parlé d'arrachement tout à l'heure. Vous aviez, il y a quelque temps, fait une intervention au Collège de France, que je suis allée, grâce à Internet, écouter. Et vous disiez, lors de cette intervention, où vous parliez justement des simples sur lesquels vous écriviez, les simples et non pas la simplification, hein, les simples comme les vies minuscules de Pierre Michon, vous disiez qu'il fallait s'être arraché de ces vies et avoir marché sur d'autres chemins pour en parler et pour écrire sur ces gens. Claire qui revient à la fin, c'est elle aussi arrachée de cette vie pour pouvoir revenir comme ses frères et sœurs, liquider ce qui reste de cet héritage, s'arranger comme on peut de cette histoire. Est-ce que ce livre liquide d'une certaine manière l'héritage de tout le chantier d'écriture qui s'est ouvert pendant de nombreuses années? Non. Pardon d'ouvrir ce côté un peu plus autobiographique. C'est une excellente question à laquelle je n'eusse probablement pas répondu d'une manière aussi... Vous voyez, je viens de dire non. Hein. Donc, d'une manière aussi rapide, il y a deux ou trois mois, parce que je ne savais pas. Et maintenant, je commence à... Il y a une chose que je sais, c'est que ce livre-là, il a une place très, très particulière hein, dans tous mes livres, en effet, ne serait-ce que par la façon dont il a été écrit. Je vous ai dit que je l'ai écrit en... Donc, la première partie en 8 jours, la deuxième en 5 jours, la troisième en 2 jours... Et tout ça entre fin février et fin juin 2022. Et exclusivement à Paris. Tous mes autres livres sont écrits tantôt à Paris, tantôt dans le Cantal, selon l'endroit où je me trouve. Hein. Et celui-là, j'ai tout de suite compris qu'il était impossible d'en écrire même une ligne hein, dans le Cantal. On n'écrit pas à l'épicentre du séisme. Premièrement. Deuxièmement, ce livre, en fait, s'est imposé et a percuté un autre chantier hein, qu'il a réduit littéralement en miettes. Ce n'est pas du tout ce livre-là que je devais publier à l'origine en janvier 2023. C'était un livre de nouvelles qui a explosé en plein vol. Voyez, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que ce texte-là voyez, hein, a frappé de non-nécessité, d'inanité totale, le livre précédent que j'étais en train d'écrire. Donc j'ai compris que si je ne me confrontais pas à cette matière-là,
tous mes livres seraient frappés d'inanité. Hein. Je n'ai écrit et publié que les livres qui m'étaient nécessaires. Des livres qui m'étaient nécessaires. Hein, publier pour publier n'est pas mon fait. Donc, vous voyez, celui-là, il a vraiment fallu que je l'empoigne. Voilà. Bon, alors, ça ne veut pas dire, et ça, je le comprends là, ça fait 2 mois que je l'ai publié maintenant, 2 mois et demi, ça ne veut pas dire que cette matière-là soit épuisée. Elle est inépuisable. Ça, j'en suis bien persuadée. Ça ne m'est pas spécifique, hein. La matière des familles, la matière des silences, hein, la matière des origines aussi, au sens du terreau des origines, hein, elle est inépuisable. Donc, par exemple, vous voyez, si j'ai la niaque et l'écran, il faudra un jour que j'écrive le livre de Gilles. Et évidemment, le livre de Gilles, j'ai le titre, vous voyez, hein, mais bon, j'ai le désir aussi, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir la force, voilà. Donc, non, je commence à comprendre moi-même, mais vous voyez, c'est une question très pertinente, hein, qu'elle n'est pas épuisée, la matière. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. J'ai 2 questions encore à vous poser. Vous qui êtes une lectrice de Pierre Michon, bien sûr. Vous lui aviez envoyé l'un de vos premiers textes. Il l'a écrit assez tard, Pierre Michon, il voulait écrire, mais n'arrivait pas. A-t-il dit un jour, il y avait une sorte d'impuissance. Il dit aussi s'être déraciné pour partir à l'aventure et notamment à la conquête de la belle langue. Vous avez fait pareil, vous vous êtes arraché et vous êtes aussi allé à la conquête d'une belle langue. Votre langue est aussi une langue odorante comme l'est celle de Pierre Michon. Vous regardez comme l'œil d'un peintre, je trouve. Les couleurs sont là, l'ambiance, on pourrait y retrouver des tableaux dans vos textes, mais je voudrais vous parler de la fiction. Est-ce que la fiction, chez vous, est un garde-fou de ce qu'on pourrait peut-être le garde-fou de l'autobiographie, oui. Puisque vous tournez autour de ces racines. Oui, c'est-à-dire que je n'invente rien, mais je réinvente tout. Je dis ça parce que, voilà. Pour Pierre Michon, la fiction est un garde-fou. Voilà, donc la fiction, en fait, j'ai la fiction mince et tenace. Elle tient dans 2 lettres, le préfixe. Réinventer. C'est-à-dire que le matériau, je dis que je suis toujours autobiographique dans tous mes livres, mais je suis la seule à savoir dans quelle mesure je le suis. Voilà. Et j'ai bien l'intention de le rester. D'une part. D'autre part, j'ai placé en exergue de celui de mes livres qui a l'air d'être le moins autobiographique, Mo. C'est un roman publié en 2005. C'est l'histoire... Mo, c'est Mohamed. Hein? Ça commence dans la banlieue d'Avignon, ça se termine à Marseille. Mo, il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. Hein? Bon. Eh bien, j'ai placé en exergue de Mo, une citation de Fellini, « Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. » Voilà. Et... réinventer, voilà, c'est mon affaire. Mais réinventer à tâtons, sans, je l'ai dit tout à l'heure, sans savoir, en dépit de ce que pourrait laisser croire ma façon d'en parler, vous voyez, qui a l'air d'être précise, etc., hein, eh bien, au chantier, je suis à tâtons, voilà. Je travaille à tâtons, je tâte, au sens... propre du terme. Et c'est extrêmement organique, d'où la peinture, d'où la référence constante et perdue à la peinture, à de nombreux peintres, le goût que j'en ai, qui, au fond, m'éclaire beaucoup sur l'écriture. C'est la peinture qui m'éclaire sur l'écriture, en fait. Levez la main déjà si vous avez une question à poser, ce qui me permet de poser ma dernière question à Marie-Hélène Lafont. Voilà, et le micro arrive chez vous. Et je pose ma dernière question, on vous donne le micro, madame. Ma dernière question, c'est qu'il se trouve que par hasard, en même temps que je travaillais sur cette rencontre, je relisais l'Atelier Noir d'Annie Ernaux, qui est ce que vous appelez chantier, elle appelle atelier, bien sûr. Et dans lequel elle se posait 2 questions, parce qu'elle travaillait à un livre important pour elle.
qu'est-ce qui est le plus facile à écrire et qu'est-ce qui est le plus dangereux? Je voudrais vous poser ces deux questions-là pour finir. Le plus dangereux à écrire, c'est le bonheur. Donc c'est la lumière de la fin? Oui. La douceur et la lumière de la fin de ce livre tendu. Oui. Oui, c'est ça le plus dangereux à écrire. C'est le bonheur. Oui. Le plus facile, je ne sais pas. Pour moi, rien n'est facile à écrire. Non, rien n'est facile à écrire. Et l'écriture est un geste profondément vertigineux et jubilatoire à la fois, les deux, vous voyez ? Voilà. Mais facile, jamais. Je ne saurais pas accoler les deux, jamais. Si, bien sûr, je peux vous pondre de la belle phrase au kilomètre. Hein. Ça, j'ai une aptitude, je l'avais déjà quand je faisais des rédactions en quatrième, vous voyez. Mais ce n'est pas ça, l'affaire. Hein. C'est d'autres choses dont il s'agit. Donc, je m'applique. Au fond, ce que je dirais à Annie Ernaux, c'est que je m'applique. Je suis une ancienne bonne élève appliquée. Il y avait une remarque ou une question, madame. Prenez le micro. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant, enfin au début, en évoquant le silence figé de l'intérieur et les enfants qui jouent à l'extérieur. Alors on est au printemps 67. Oui. Et vous avez employé une expression qui dit un peu beaucoup de votre rapport à la fin. Vous avez parlé du jus des choses. Mm-mm. Et ça m'a marqué cette expression que je trouve très évocatrice. Oui, et je parle souvent, merci madame, je dis souvent que la langue, les mots, la matière même des mots, ça a du jus. Voilà. Il faut que la langue ait du jus. Il faut qu'il y ait du jus dans la phrase, du jus dans le texte, mais pas trop, il ne faut pas que ça poisse non plus. Voyez. Et ça, c'est le travail à voix haute, hein, de la phrase. Je travaille la phrase à voix haute, le mot juste à la juste place, élaguer, et placer la ponctuation. Et là, ma marge de manœuvre sur ce texte-là, elle était très maigre, hein, très très maigre. Donc, j'ai énormément travaillé sur les temps verbaux. Chaque verbe a été longuement ruminé. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Thérèse d'Esquirou ? Oui. Oui, madame faisait une référence à Thérèse d'Esquirou. François Mauriac. Alors, merci madame, parce que moi j'adore François Mauriac. J'aime les romans de François Mauriac. Alors là, il y en a du jus. Hein. Alors, ça sent un peu la curaille, hein. Le catholicisme un peu rance, et c'est un fumé tout à fait singulier, hein, parce que c'est jamais au premier degré avec lui. Hein, Thérèse d'Esquirou, le sagouin, le nœud de vipère, en voilà des huis clos familiaux. Hein. Oui, alors François Mauriac, mille fois. Madame, il y avait une... Derrière. Oui. Et puis, elle sera la dernière, parce que... Allez-y. Vous avez parlé de tenue de la part des familles paysannes. Oui. Et est-ce que vous diriez, vous, que vous tenez votre langue dans tous les sens du terme ? Ben, j'essaye. J'essaie, vraiment. Je tends à la tenir, mais il ne faut pas trop la tenir non plus, vous voyez ? Parce que si on la tient trop, elle est raide et amidonnée. Hein ? Donc, tenir, retenir, mais ne pas trop tenir non plus. Enfin, vous voyez, c'est très chorégraphique. C'est de la danse, hein, aussi. Voilà. Hein. Et parfois, il faut laisser filer. Hein. Donc, pas trop tenir, pas de carcan. Merci. Il y avait là une remarque. Oui, une rapide question. Vous évoquiez la peinture qui semblait être votre première, enfin, une inspiratrice importante. Je voulais que vous en disiez un tout petit peu plus. Uh-huh. Quels sont les peintres, les tableaux, éventuellement, est-ce que c'est... Voilà. Je peux dire une ou deux choses rapidement, puisque le temps nous manquons de temps. En fait, j'ai commencé à voir de la peinture très tard, hein, très très tard. Mais je suis née dans un paysage qui m'a donné un accès immédiat au paysage de Nicolas de Staël, vous voyez, hein, à tous ces ânes. Hein, voilà, hein, quand on est né et quand on a eu dans l'œil, comme première perspective, les paysages dans lesquels j'ai grandi... On trouve immédiatement
sa place, le corps trouve immédiatement sa place dans cette peinture-là. Vous voyez, mais que j'ai découverte tard. Hein. J'ai vu un tableau pour la première fois de ma vie en vrai. J'avais 18 ans et j'ai commencé à aller dans des expositions et à manger de la peinture. J'appelle ça comme ça, hein. Manger de la peinture en vrai, très tard. Hein. Mais c'est une nourriture essentielle. Et par exemple, vous montez au 4e étage, ici, là, et en entrant, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé, mais je ne crois pas, en entrant au musée, vous avez une toile de Vincent Biulès, hein, qui est un peintre qui vit à Montpellier, qui s'intitule « Les barricades mystérieuses ». C'est le titre d'une pièce musicale merveilleuse de François Couperin. Et ce tableau, par exemple, vous voyez, Vincent Biulès, par exemple, hein, pour citer un peintre vivant, hein, voilà, bah ce tableau, c'est de la vivante matière, c'est de la lumière, c'est du silence et c'est du bonheur. Les peintres sont plus doués que moi avec le bonheur. Il faudrait qu'un jour, si on fait une autre rencontre, que je pose votre propre rapport au corps et à votre façon d'écrire, parce que je vous observe depuis une heure parler et je vois qu'il y a quelque chose dans votre corps de tendu aussi, de dynamique, et de presque comme une danseuse ou une athlète, si je peux me permettre. Ça serait une autre page à ouvrir. Merci infiniment, merci à Marianne Lafont. Merci les pour sources votre éditions de chez Chastel. Il y a les livres derrière et vous pouvez retrouver Marie-Hélène Lafont.